Aujourd'hui, la Team Keto, on est sur Brookhaven RP et on va faire des hobbies tendance. Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci. Allez, saute par là, puis saute comme ça, et saute encore comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais, Midar Keto? Bah, tu vois pas ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire les meilleurs hobbies. Les hobbies les plus tendance de Roblox. Oh waouh, attends, ça a l'air trop bien. Je peux jouer à ta place? Attends, je réfléchis, ouais. Puisque vraiment, je suis vraiment nulle, j'ai envie de te voir, toi. Et tu sais quoi? On fait un truc. Si je gagne, eh bien, je te dis un secret. Non, attends, tu me dis un secret. Ok, mais de toute façon, tu vas en gagner aucun. Regarde, il y en a 4. Allez, à toi de jouer. Et ce que je veux savoir, c'est la vérité sur toi, Midar Keto. Allez, c'était parti, je vais jouer, je suis trop forte. Non, mais pourquoi aller la reine? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as été un mauvais enfant, c'est l'heure de ton time-out. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu peux sortir quand tu apprends à être bon et à te comporter. Quoi? C'est quoi ce truc, les amis? Oh non, je suis enfermé. En plus, avec lui, l'âge Midar Keto, il va être jaloux, c'est obligé. Bon, il faut absolument que j'arrive à m'échapper d'ici. Comment on va faire? Ok, on va passer par... Il est où le chemin? Ah, ici, c'est bon. Oh non, si je tombe, je crois que je vais mourir. Je pense qu'il faut passer par un autre côté. C'est là-haut. Allez, on va y aller tout de suite. Oh, il y a une échelle, super. Allez, on va monter par là. Hop là. Et j'espère surtout que je vais réussir à m'échapper d'ici. En tout cas, on a pris une batterie. Ça sert à quoi? Bon, j'en ai aucune idée. Apparemment, il faut que j'en trouve deux. Mais on va voir ensemble à quoi ça sert. Oh, il y en a une autre là-bas. Oh, super. Allez, on la récupère. Et du coup, maintenant, ça fait quoi? Oh, il y a des flèches. C'est génial. Bon, du coup, apparemment, il faut que j'aille par là-bas. Ok, on va faire tout le tour. On passe par ici. Et... direction ce truc. C'est quoi ce truc? Oh, il y a un passage. Ah non, c'est des batteries encore. Bah, ok, c'est cool, mais ça sert à quoi? Oh, génial, une échelle. Mais il était pas dans le chemin tout à l'heure. Oh, je suis pas seule. Bon, en tout cas, il faut absolument que je m'échappe d'ici. Mais il faut que je récupère un pied de biche, apparemment. Ça doit être par là. Oh, regardez, il y a plein de trucs ici, c'est dingue. On va sauter, on récupère... Non, on appuie sur le bouton et... Bah, il est où ce pied de biche? Les amis, vous l'avez vu, vous? Parce que moi, je le vois pas, hein. Peut-être qu'il est dans cette salle? Je suis pas sûre. Peut-être qu'il est dans la salle d'à côté, alors? Non, toujours pas. Mais... Oh, si, c'est bon, il est là, c'est bon, on l'a trouvé, les amis. Ouvrir le mur de planches clouées avec le pied de biche. Ok, donc on appuie ici et c'est ouvert. Donc maintenant, apparemment, il faut que je prenne 3 boutons pressés. Je sais même pas à quoi ça ressemble. On en a déjà 2, je sais pas comment on a fait. Donc il m'en manque un troisième. Où est-ce que je vais le trouver? Apparemment, il y a un bouton qui s'est allumé là. Donc ça veut dire que, techniquement, bientôt on va réussir à ouvrir la porte. Oh, attendez, il y a écrit un truc ici. Vous voulez passer au prochain point de contrôle? Oui. Mais non, non, j'ai pas de Robux, moi. Je peux pas, hein. Allez, on ouvre la porte et il me faut ce troisième truc là. Ça ressemble à quoi déjà? C'est bon, les amis, j'ai trouvé. Apparemment, il est dans le mur. Ok. Bon, bah, du coup, je crois que c'est bon, on l'a récupéré. Et maintenant, c'est vert, on peut absolument passer. Et attendez, il y a quoi ici? Bon, on descend les escaliers d'abord. Oh non! Erreur, vous n'êtes pas dans le time-out. Les mauvais enfants qui ne suivent pas les règles vont être punis. Préparez-vous à votre punition. Ce qu'il raconte, une punition, mais j'ai rien fait, moi. Je veux juste m'échapper d'ici, je comprends pas. Bon, on va récupérer une clé, apparemment. Il faut que je trouve une clé. Où est-ce qu'elle pourrait être, cette clé? On dirait qu'il y a une chasse au trésor. C'est hobby, c'est un truc de fou. Bon, je crois qu'elle est là-bas, c'est trop bien. On va pouvoir s'échapper. Au moins, je vais pouvoir ouvrir la porte. Super. Et il faut mettre la clé dans la serrure. Bah, ça me paraît assez logique, hein, à partir de là. Allez, on va voir la porte et on va essayer de l'ouvrir. Je crois que c'est ici. Ok. Non, elle s'ouvre pas? Bah, oh non, elle est là, la dame! Oh non, non, non. Ah non, c'est cette porte. On s'est trompé de porte, les amis. Super. Bon, apparemment, je pars dans le fin fond du bâtiment. Waouh. Où est-ce que j'atterris encore? Ok. On passe par ici et je vais essayer de pas tomber, surtout. Ok, on va essayer d'aller sur la petite planche. Super. Bon, on va attendre un peu. Allez, on... Oh non! Oh non, j'ai perdu. Bon, on va recommencer. C'est pas grave, les amis. Quoi? Non, mais moi, j'ai l'impression de rien avoir touché, là. C'est trop bizarre. Bon, en tout cas, faut pas que je meure. Donc, on va essayer de se dépêcher. Et quoique, de prendre un peu son temps, c'est pas mal aussi. Ok, et hop là. Ok, génial. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va aller le point de contrôle. Et... Oh, mince, ça bouge, ce truc. Il faut que je saute dessus. Ok, on ressaute.
Et c'est bon. Oui, alors là, il y a une échelle, c'est un peu plus simple. On grimpe, hop là. Et super, on a validé l'étape. Du coup, on continue à avancer, les amis. Et j'espère que la sortie, elle est pas loin. Même si ça me paraît vraiment super loin, là, non? Allez, on saute. En tout cas, moi, je suis super curieuse de savoir si vous avez déjà fait ce hobby. Et en combien de temps vous l'avez fait, d'ailleurs. Parce qu'il est vraiment pas facile, non? Ouh, il s'est passé quoi? Oh non! Pourquoi je suis envoyée de tous les côtés? C'est pas possible! Allez, on continue d'avancer, on monte à l'échelle et... Oh non, encore ce truc! Oh non! Wouh! Encore une fois? Bon, allez, c'est reparti pour un tour, les amis! Et maintenant, on passe par ce chemin. Super! Allez, il y a un chemin, wouh! Bon, réatterrir ici, du coup, c'est pas mal, mais cette fois-ci, les beaux enfants écoutent leur maman et leur papa. Il semble que vous avez pas ce programme. Laisse-moi t'aider pour que tu puisses être un bon enfant. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle est vraiment bizarre, elle. Ok, deux clés, apparemment, faut que je les trouve. Je pense qu'il y en a avoir une ici, c'est obligé. J'imagine qu'elle doit être par là. Mais super, on a attrapé une, et maintenant, il faut absolument que j'arrive à attraper l'autre. Et du coup, le problème, c'est qu'en fait, elle est en train de me suivre, là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je suis pas tranquille, hein. Il faut que j'arrive absolument à choper cette autre clé. Je pense qu'elle doit être par ici. Enfin, j'espère. Oh, super, c'est bon, elle est là. Bon, bah maintenant, il reste plus qu'à trouver la porte. Je pense que... Oh, non, m'attrape pas, s'il te plaît. Ok, apparemment, les serrures, elles sont là. On a les deux clés et super, c'est ouvert. J'espère qu'elle me suit pas. Oh, super, on valide l'étape. Et maintenant, wouh, apparemment, je fais du skate. C'est un truc de dingue. Allez, on saute, on continue. Ouh, non, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, apparemment, je me suis un peu loupée. Allez, on recommence. Hop là, et on continue, les amis. Et maintenant, le dernier... Enfin, non, l'avant-dernier, wouh. Et hop là. Et attendez, c'est une porte, ça? Ça veut dire qu'on va atterrir où? Oh non, je le sens pas du tout. Ok, donc apparemment, il y a des lames. Si je me les prends, je sens que je vais mal finir. Il faut que je me dépêche à avancer, les amis. Je le sens pas du tout ici. J'ai l'impression que je vais mourir à chaque instant où je suis là. Allez, on saute. Et c'est quoi, ce truc? Ok, on continue. Ah bah c'est comme tout à l'heure. Les amis, oh non, en fait on s'est fait avoir, c'est pas du tout comme tout à l'heure. Les planches, elles bougent sur les côtés, comment c'est possible? En tout cas, la méchante dame là, qui se prend d'ailleurs pour ma mère, hein, eh ben, elle a fait un parcours super bizarre ici. Je sais pas, elle est complètement folle, non? Oh là là, c'est n'importe quoi. Allez, on passe par ici et maintenant... Oh, il faut absolument que j'arrive à aller de l'autre côté, comment je vais faire? Bon, on va attendre, super, on saute. Et voilà, c'est bon, le point de contrôle est validé. Maintenant, j'espère que je vais réussir à faire ça aussi. Oh non, on va recommencer, les amis. Allez, on saute. Et hop là, on a sauté. Et c'est bon, les amis, on a réussi. Par contre, ça fait que tourner, ce truc. J'ai le tournis. Oh non, j'ai le tournis. Qu'est-ce qui se passe? Ouh. Bon, c'est vraiment trop dur, ça tourne dans tous les sens. Ok, c'est bon. Bon, cette fois-ci, il faut pas que je me prenne ces trucs-là. Parce que franchement, comme j'ai galéré avant... Oh non, j'ai parlé trop vite. Bon, on va sauter et ça va le faire. Je le sens qu'on va y arriver cette fois-ci. Faut juste pas que je me prenne cette espèce de lame. Qu'on saute. Quoi, vraiment, il est super compliqué ce parcours. Je sais pas vous, mais moi je galère un peu. Ok, on saute. Oh non! Allez, on saute! Oh, ça va de plus en plus vite, les amis, ça va super vite! Les amis, on saute! Et je sais pas si vous voyez le petit... Oh non! Allez, on réessaye. Et je sais pas si vous voyez le petit truc en haut. Mais apparemment, on a bientôt fini. Et oui, ça veut dire qu'on a bientôt atteint la sortie. C'est tellement cool! J'ai trop hâte de m'échapper d'ici. J'espère qu'il y a un truc bien à l'extérieur. Ouh, j'ai failli tomber. Heureusement qu'on a réussi. Oh non, qu'est-ce qu'elle a, elle? Oh non! Apparemment, il faut que j'arrive à la tuer. Ouh, elle est complètement folle. Pourquoi n'écoutez-vous pas votre maman? Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Bon, apparemment, faut que je la tue. Et il faut qu'on démarre une bataille. Bon, ben, au moins, je suis armée. Allez, hop là. Prends ça. Allez, prends ça dans ta tête. Et il faut que tu meurs, franchement, parce que là, moi, je veux pas rester avec toi. T'es vraiment pas gentille. Allez, prends ça. Allez, super, on est là à moitié, les amis. On a bientôt réussi. Je sens que je vais réussir à la tuer. Et au moins, on pourra s'échapper pour toujours. Et j'aurai sauvé tous les enfants de ce bâtiment. Allez, super, hop là. 3, 2, 1, c'est bon, elle est KO. Erreur système, oh, c'est trop bien. Allez, super, elle est KO. On est sauvés, les amis. Wouh, allez, c'est bon, on peut partir d'ici et direction la liberté, direction la sortie. Bon, faut se dire, les amis, franchement, ce hobby, il est super dur. Moi, je galère, mais oh, qu'est-ce qu'il est bien. Allez, on s'envole et... Oh non, attendez, j'ai loupé la sortie. Allez, c'est bon,
Super. Oh, c'est beau ici. On valide le point de contrôle et on sort par là et on est enfin libre. Oh, regardez, c'est bon, j'ai réussi. Je me suis échappée d'ici. C'est trop bien. Allez, c'est parti les amis. On met en dur. Hop là. Oh là là, il fait vraiment super sombre ici. Bon, je vais faire attention. On marche doucement. Oh, un trésor. Il y a plein de pièces. Par contre, il faut pas que je fasse attraper. Wouh, je suis riche, je suis riche. C'est trop bien. Oh là là, c'est bon, je suis trop contente. Darkito, il va être trop fier de moi. C'est qui elle? Vous avez pensé que vous pourriez voler mon or et vous en tirer? Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a? J'ai atterri où? Oh non, mais elle fait vraiment super peur. Oh, je la reconnais, on dirait celle de Alice au Pays des Merveilles. C'est trop bizarre. Pourquoi elle me regarde comme ça? Oh non, elle m'a enfermée. Je suis où là? Hé, toi, tu ferais mieux d'y aller avant le retour de la reine mauvaise. Hé, c'est qui a parlé? Oh non, mais il y a quelqu'un qui me parle et je sais même pas qui c'est. Bon, je crois qu'il faut absolument pas que je perde du temps. Alors c'est parti, on va commencer. Je sors par où? Ah, il faut cliquer ici. Allez, hop là. Oh là là, mais c'est quoi tout ça? Des trucs qui tombent. Bon, apparemment, ça m'a ouvert une sortie. Allez, on va... Il faut sauter, vraiment? Wouh! Oh là là, je suis où là? Bah, oh non, je crois que j'ai pas sauté assez bas. Quoi? C'est quoi ce chandelier qui est tombé? Hey, pas mauvais pour un crâne de vionne. Essayez à nouveau avec ces planches lâches. Qu'est-ce que c'est que ce grand livre flotte là-haut? Qu'est-ce que c'est que ce grand livre? Eh bien, j'en ai aucune idée. Mais pourquoi il est là-haut? En plus, on dirait qu'il y a de la magie dans l'air. Est-ce qu'on est dans un monde de parallèle? Il faut que je fasse quoi? Les amis, comment je fais pour aller d'autre côté? Oh, il y a quelqu'un d'autre. Vite, je vais le regarder. Apparemment, il faut cliquer à des endroits. Faire quoi? Oh, on clique ici. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le livre, il est tombé, il a tout cassé. Ça veut dire que ça va m'ouvrir une sortie? Oh, c'est ça, c'est vraiment super cool. Oh non, wouh, c'est bon. Oh, je suis vivante, tout va bien. Donc c'est bon, les amis, on va prendre la sortie qui doit être sûrement par là. Bah non, j'ai pas payé. Ok, on va sauter et j'espère que je vais pas atterrir dans l'eau. C'est pas de l'eau, c'est quoi? Bon, on continue à avancer, apparemment. Attendez, tout est penché, c'est bizarre. Mais on est où? Oh là, ça fait vraiment super flipper. Wouh, on saute. Oh là là, quoi? Je suis morte déjà? Mais les amis, ça fait deux fois là. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire pour arriver tout en bas sans mourir? Oh bah c'est bon, on a réussi, super. Et maintenant, on prend la sortie. Ok, donc là, il faut sauter d'espèces de trucs qui tournent, Ça donne le tournis en fait. Allez, on saute, super. Quoi? Bon, apparemment, il faut pas aller sur la petite flamme là, c'est pas super. Et hop là, on saute et on ressaute. Et cette fois-ci, je vais faire attention et hop là. Ah, j'ai compris en fait, j'ai appuyé sur le bouton rouge, c'est le bouton rouge le problème. Wouh! Allez, on reprend. Et cette fois-ci, je vais y arriver. Ça va bien s'arrêter. Allez, génial. Hop là, on saute. Ah, super. Donc, on doit pas aller sur la flamme et on doit pas aller sur les trucs rouges. Super, j'attrape un truc. Apparemment, j'en ai 1 sur 10, c'est des cœurs, mais à quoi ça sert? Oh, j'en ai aucune idée. Si vous savez, les amis, dites-moi en commentaire, hein, ça peut toujours être utile. Allez, hop là, on suit la flèche. Et là, apparemment, il faut que j'aille ici. Ouh là 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 là, c'est vraiment super haut et ça fait que tourner. J'ai trop le tournis, c'est horrible. Ok, toujours on suit la flèche. Je vois pas grand-chose, je vous assure. Oui, on saute. Et je crois que la sortie, elle est par là. Super, mais cette fois-ci, on se fait pas avoir, hein. On tape pas sur les trucs rouges. C'est quoi ces trucs encore? Des diamants? Oh, peut-être c'est des diamants. Ok, bon, apparemment, j'ai pas le choix, il faut sauter. Ouh là là, c'est super haut. Bon, je vais bien. Mais par contre, il y a la méchante reine tout là-bas. Il faut pas qu'elle m'attrape, il faut pas qu'elle me voit. Il faut surtout pas qu'elle me voit. Oula, attendez, j'ai failli me faire trancher là, c'est pas possible. Ok, il faut qu'elle arrête. La sortie, c'est par où? Je pense que c'est par ici. Ok, je suis toujours vivante, donc ça doit être par là. Et maintenant, oh, il y a un petit chemin avec des livres. On saute, super. Et on récupère la clé. Mais à quoi elle va me servir? Oh, regardez les amis, il y a un cadenas là-bas. Enfin, il y en a même 3. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à attraper 3 clés. Mais j'en ai qu'une. Allez, on va essayer déjà avec celle-ci et voir ce que ça fait. Et on clique. Oui. Et là, oh non. Ah si, c'est bon. Mais apparemment, il en manque juste une. Donc il faut attendre que je trouve où est-ce qu'elle est. Apparemment, elle est en dessous de la chaise. Donc on va la chercher sans se faire tuer si c'est possible. Allez, on clique. Et maintenant, on va ouvrir la porte tout là-bas. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça bizarre qu'il y ait des meubles qui soient en train de voler. C'est vraiment bizarre. Allez, hop là, on appuie. Et maintenant, c'est ouvert. Super, on est sauvés. La méchante reine va pas me voir. Ok, donc on va vraiment super vite, les amis. Et cette fois-ci, je vais pas mourir. Ouh, c'est... Ah, c'est bon.
Oh, encore un chandelier! Le jardin a besoin d'être entretenu, tellement le chemin court essayé ici, peut-être. Rien à ce qu'il raconte, mais en tout cas, c'est la bonne direction! Wouh! Oh, j'en ai marre de sauter comme ça, je suis morte? Non, mais c'est une blague! Ok, donc là, on atterrit ici, et maintenant, il faut aller... Il faut aller où? Bah, les amis, attendez, il faut aller où, là? Oh, faut encore sauter! Bon, bah, on va re-sauter! Wouh, c'est bon! Et là, maintenant... Bah, apparemment, il faut encore sauter! Décidément, ici, c'est vraiment super haut, c'est un donjon, en fait, le truc! Ok, maintenant, on a une porte, et point de contrôle validé! Et direction, le jardin... Bah, attendez, non, c'est... je crois par l'autre côté, hein? Ok, donc peut-être que c'est ici... Eh ben non... Bah c'est où alors? Les amis, je crois qu'il faut cliquer ici, du coup voilà, c'est bon, la porte s'est ouverte! Voilà, je suis vraiment nulle, en fait il y avait un bouton, c'était trop simple! Allez, génial, cette fois-ci on se prend pas les cartes! Ouh, c'est pas des cartes, ça c'est quoi? Bizarre! Allez, on va pas se les prendre! Maintenant, on contourne! Et où est-ce qu'il est ce jardin en fait? Ok, on atterrit ici, bah ça ressemble toujours pas à un jardin! D'accord! Progrès, c'est nouveau, mais qu'est-ce que la reine a fait? Peu importe, en direct, saute sur... Quoi? Il a dit sur... c'est quoi ce truc? Il est vraiment bizarre ce chandelier. Ok, on saute de livre en livre et j'espère que la sortie est pas loin. Parce que moi j'en ai marre d'être ici, je me sens enfermée. Ok, bah on attend. Je pense que là c'est le bon moment les amis, on saute. Et on saute. Et maintenant... Oh, je suis sur une armoire, c'est trop bizarre. Allez hop là. Attendez, je crois qu'on dirait un jardin là-bas. Enfin, j'en suis pas persuadée. Ok, donc on va essayer... Wouh! Oh mince, je suis morte. Bon ben on recommence. Et cette fois-ci, je vais pas me prendre l'espèce de marteau. Ok, on attend. Super. Et maintenant, on saute. Et... Oh non. Et hop là, on reprend au même endroit. Du coup, les amis, c'est bon. On a réussi à sauter. Et cette fois-ci... Oula, j'étais vraiment proche de lui. Et c'est bon, on saute. Vous pensez que le jardin, il est là vraiment? Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on dirait pas un jardin. Ok, on attend. Et c'est bon. Super, oh là là, j'en pouvais plus cette étape. Par contre, celle-ci, elle est encore plus dangereuse. Pourquoi quelqu'un a fait ça? Mais comment on a pu avoir cette idée-là? Allez, on essaye de pas se les prendre en tout cas. Oula, en plus, il y a des trucs rouges. Moi, des trucs rouges, dès que je saute dessus, j'ai l'impression que... Bah, voilà, vous voyez les amis? Ok, super, on continue. Et cette fois-ci, je vais pas mourir. Allez, on saute. Et maintenant... Oula là, j'ai pas vu celle-ci. Ok, ok. Oh non. Mais attendez, j'aurais pas dû mourir là? Ok, et c'est bon! Quoi? C'est bon les amis, j'ai réussi! Je suis trop contente parce que c'était super compliqué! Et on valide le checkpoint et c'est parti pour la prochaine étape! Et du coup, bah là cette fois-ci ça va être un peu plus simple, même s'il y a toujours des trucs qui tranchent. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça partout. Comment je vais m'échapper d'ici moi? Imaginez, j'arrive jamais. Parce que là, je sais pas si vous voyez le petit dessin au-dessus de ma tête. Bah apparemment, je suis très 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 loin de l'arrivée. Comment je vais faire? Allez, on saute, on continue. Et cette fois-ci, je vais prendre la porte et j'espère que ça va être le jardin. Quoi? J'ai encore perdu? Bon, ben on recommence, hein. Ok, c'est bon, les amis, je peux sauter. Et là, on a réussi, du coup. C'est quoi, ça? On va aller le sac de contrôle. On appuie sur le bouton. Et apparemment, ça a ouvert une porte, mais je suis pas trop rassurée d'y aller. C'est celle-ci. Oh non, la méchante reine, elle est là! Pourquoi j'atterris ici? Je pense pas que ce soit une super bonne idée. Oula. Hey, frappez les leviers! Utilisez les canons pour sortir d'ici. Ok, c'est entendu. Et ben, je vais y aller. Et elle me fait vraiment super peur. Oh non, m'attrape pas. Je t'en prie, m'attrape pas. Ok, on va aller du coup là-bas. Il faut apparemment appuyer sur un espèce de levier bizarre avec un petit cœur. Hop là, c'est fait. Ouh là là là. Elle va quand même vite. Enfin, elle galère un peu, mais elle est géante par rapport à moi. Elle est super grande. Ouh là, regardez. Elle fait super peur. Ok, donc il faut que maintenant j'aille direction l'autre levier. Et du coup, on va appuyer dessus. Voilà. Et maintenant, elle est où la sortie? Elle est où la sortie? Vite, la sortie! Je crois qu'il faut aller par là-bas. Attendez, il y a une flèche. Il faut que je me fasse catapulter. C'est quoi ce truc? Oh non, je suis pas prête. Bon, bah, j'ai pas le choix apparemment, sinon elle va me tuer. Ok, peu là. Ouh, là, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Bon, apparemment, c'était pas très haut. Ok, donc on atterrit ici. On va le checkpoint. Et maintenant, direction... Encore un canon? Bon, bah, c'est parti. Hop là. Et maintenant... Bah, maintenant, on est tranquille. Elle a disparu, la reine. Allez, on continue. Et maintenant, il faut sauter. Oula. Quoi? Bah, c'était un bug, là, non? Oh non, il faut que je retourne tout en haut. Et bah, voilà. On est retourné ici. Et maintenant, on va sauter. Et je crois que la sortie, c'est par là-bas. Apparemment, on est sur le bon chemin, les amis. Encore une catapulte, hein, mais vraiment, ils ont mis que ça ici ou quoi?
Ok. Ouh, attendez, c'est un peu haut là. Encore? Bon, ben on recommence, hein. Oh là là, là j'en peux plus, ça fait que tourner. Ok, encore. Mais ça s'arrête plus jamais ou quoi? Ouh, attendez les amis. Je crois que c'est bon, on a réussi. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. C'est quoi ce truc là-bas? Ça aussi, ça tourne. Mais c'est quoi ce truc? On dirait presque une machine à laver, c'est trop bizarre. C'est peut-être un portail. Attendez, j'ai atterri où les amis? Ici? Oh non, j'ai pas encore à me faire tuer. Là, il faut vraiment que j'arrive à avancer. Sauf qu'il faut pas que j'aille sur les trucs rouges. Ok, pour l'instant, ça va. On continue. On va un petit peu attendre hein, quand même. Je crois qu'il y a rien en fait ici. Allez, ok, c'est parti. Et maintenant, c'est bon. Je crois qu'on a réussi. Il y a plus rien devant moi. Génial! Oh, il y a une flèche là-bas. Ça veut dire que logiquement, il faut aller. C'est quoi ce truc là-bas? Bon, on va y aller. Ok. Voilà, on est vraiment super haut. Oh, il y a encore ce truc tout là-bas. Bon, bah, on va avancer et j'espère que je vais pas devoir y retourner une deuxième fois ou une dixième fois peut-être. Allez, c'est parti. Bon, bah, pas le choix. Ok. Où je vais être envoyé où cette fois-ci? Attendez, on est où là? J'atterris là, mais... Mais attendez, je descends. Normalement, le but, c'est pas de monter. Rien. Bon, bah, on va suivre les flèches et on verra bien où est-ce que ça me mène. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est bientôt atterri à la moitié du parcours. Eh bien, franchement, les amis, je commence un peu fatiguée. Je pense que ce serait pas mal d'avancer un peu plus vite. Ok, et c'est reparti. Ouais. Allez, c'est bon. Et apparemment, il faut encore que je recommence. Bon, ben, ici, vraiment, il n'y a que ça, hein. Allez, hop là. Et maintenant, il y a une flèche vers le bas. Ça veut dire qu'il faut que je saute. Oh non, j'ai le vertige, j'en peux plus. Bon, ben, ce qui est cool, au moins, c'est que j'aurais plus du tout peur du vide, hein, après cet hobby. D'ailleurs, les amis, moi, je serais... Attendez, j'allais dire un truc, mais en fait, il y a la reine qui est en train de poursuivre, on va parler après, hein. Elle est encore derrière moi, vous pensez ou pas? Voilà, ça va vraiment super vite. Quoi? Bon, bah, j'ai perdu, il faut recommencer. Vraiment, quand j'ai écrit dur, je pensais pas qu'il allait être si dur, ce hobby. Il est long et super compliqué. Si ça accélère, il faut pas que je me prenne les espèces de flammes devant moi ou d'escaliers. Cette fois-ci, il faut pas se prendre les espèces de petites bombes, là, rouges, surtout, appuyez pas dessus, hein. Hop là, et maintenant... Ah bah, attendez, la reine, elle était même pas derrière moi. Elle a disparu. Ok, donc on continue à avancer maintenant. Je crois qu'on est atterri dehors. Et ben, c'est génial du coup. Ouh là là, attendez les amis, regardez le château, il est vraiment super grand. Et on dirait qu'il est tout détruit. En plus, il y a la méchante reine qui est juste en bas. Elle fait vraiment super peur. Ouh là là, je crois qu'il y a un labyrinthe et tout. On n'a pas du tout terminé, ça c'est sûr. Donc je vous disais juste avant que si vous voulez que je fasse un autre hobby la prochaine fois, et ben dites-moi en commentaire et surtout notez ce hobby sur 10 qui a l'air d'être super compliqué. Franchement, je sais pas combien de temps vous avez pris à le faire vous, mais en tout cas, moi je galère un petit peu. Mais je pense qu'on va réussir ensemble à le terminer et à ce que je réussisse à m'échapper de cet horrible château. Encore lui? Hé, échappe-toi d'ici rapidement. Bah oui, c'est ce que j'essaie de faire, hein. Mais bon, apparemment, il y a plein d'obstacles sur ma route. Hein. Allez, hop là, on saute. Et les amis, je pense que là, on est vraiment pas loin de l'arrivée. Enfin bon, ça s'approche, hein. Hop là, on saute les escaliers. Ok, mais c'est quoi encore ce truc? Oh, c'est un ascenseur. C'est trop bizarre. Ok, on saute et c'est reparti. Oui. Bon, moi, là, je me repose un petit peu. Super, on valide le centre de contrôle. Et maintenant, on saute et il faut que j'attende. Oh mince, je l'ai loupé. Ok, on saute et c'est reparti pour l'ascenseur. Il monte pas? Ah si, c'est bon, il monte. Voilà, et apparemment, il faut encore que je recommence. Ah, c'est le dernier, les amis. C'est-à-dire qu'après, on va atterrir tout là-haut et je sais pas du tout ce qu'il va y avoir, d'ailleurs. Vous pensez qu'il y aura quoi? Moi, je pense que il y aura pas grand-chose, en fait. Allez, hop là. Oh, c'est trop beau, en fait, c'est le château. Ça veut dire que c'est bon. Les amis, si on atterrit là, ça veut dire qu'on va pouvoir tout contourner et s'échapper d'ici et dire adieu à cette méchante reine. Parce que moi, franchement, ben... Je veux plus jamais réatterrir ici, hein, ça c'est sûr. Donc pour ça, apparemment, il faut contourner et appuyer sur le levier là-bas. Qu'est-ce que ça va faire? Oula, ça fait quoi? Il y a tout le liquide qui est en train de partir, ça veut dire que... Peut-être que ça va me laisser la route pour pouvoir passer par là, en fait. Enfin, c'est pas sûr. Oh, on prend un cœur. D'ailleurs, je sais toujours pas à quoi ça sert. Et je crois qu'il faut sauter tout en bas. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah non, c'est trop dur, on va recommencer. Ok, il faut que j'atterrisse ici. Bah non, apparemment pas ici. On va réessayer. Bah, je suis où, là? Ok, on saute doucement. Et maintenant, il faut atterrir. Bah, je sais pas trop où est-ce qu'il faut atterrir. Je pense qu'il faut aller ici, on va essayer. Wouh! Ah, c'est bon, j'ai compris. Donc, on va essayer de passer. Vous voyez tous les espèces de trucs sur les côtés, là? En fait, il faut sauter dessus. Voilà. Et là, maintenant, on recommence.
Bon, là, on a de la chance, il est vraiment juste en bas. Allez, on recommence encore? Oui. Et je pense qu'il faudra faire ça, en fait, tout le long. Sans se prendre la moindre petite bombe, ce serait pas mal. Mais pourquoi je vole? Bah, attendez, les amis. C'est bon! On a réussi! Super, allez, on va aller le point de contrôle. Et cette fois-ci, on va vers là-bas. J'ai l'impression qu'en fait, je suis en train de faire le parcours un peu du style en boucle. Vous voyez, genre, on sort du château et on re-rentre dans le donjon. Enfin, je comprends rien. J'espère que quand même la sortie va pas être loin. Et j'espère que je vais plus jamais revoir cette méchante reine. Ok, je sais pas ce que c'est ce truc-là, mais il faut pas que je me le prenne. Allez, on contourne, hop là. Et je crois que c'est bon, les amis. Ce parcours, il va être un peu plus facile, déjà. Super. Saute. Et hop là. Oh non. Oh mince, il atterrit ici, le liquide. Bon, je pense qu'il faut pas que j'aille dessus. Et ni que j'appuie sur le bouton rouge, du coup, on va essayer de se dépêcher. Et en plus de ça... Oula. Oh non, j'ai pas réussi. Bon, on va recommencer. Super. Allez, on avance encore. Et normalement, je crois que j'ai parlé un peu trop vite. Alors, je me disais, justement, quand quoi là, on va... Mais c'est une blague. Donc, je disais, on reprend ici. Et maintenant, on saute. Et là... Oula, encore... Encore ça? Ok. Oula, attendez, on est dans une grotte, on est où là? C'est quoi ce truc? Oh, attendez, je vois la lumière là-bas. Peut-être que ça veut dire que c'est l'extérieur. En fait, là, on est peut-être passé par un chemin tout en bas pour atterrir dehors. Attendez. Ok. Oh, lui, il est là. Panne de viande, je suis impressionnée. Je peux pas croire que tu es venu jusqu'ici sans offense. Eh, dis-moi, chandelier, en fait, t'es gentil ou t'es méchant? Je comprends rien. Bon, je pense qu'il est peut-être gentil, en fait. Ok, on saute. Hop là. Et super, un nouveau cœur. D'ailleurs, on a 3. Et je sais toujours pas à quoi ils servent. Hop là, on saute. Et maintenant, direction la sortie, les amis. Donc, ok, là, il faut juste pas tomber dans le verre. Et surtout pas se prendre les petits trucs rouges, les espèces de petites bombes. Et là, cette fois-ci, donc du coup, la sortie est tout là-bas. Je pense qu'on va y arriver assez facilement, sauf si je tombe. J'espère que j'ai pas tombé, d'ailleurs. Allez, hop là, on saute et on saute. Et maintenant... Ouh là là, pourquoi il y a ce truc là au milieu? Je pense qu'il faut pas que j'atterrisse dedans. Et voilà, c'est bon les amis, on a atteint la sortie. C'est quoi ces bras partout? Oh, c'est super flippant, j'aime pas du tout. C'est quoi ça? En fait, c'est des autres prisonniers? Peut-être qu'eux aussi veulent s'échapper. Oh non, je peux pas les aider, j'ai vraiment pas le temps, je suis désolée. Oh non, mais vraiment désolée, je peux pas. Ok, on va sur le rondin. Et là, maintenant, c'est des poissons ces trucs là? Mais ils sont énormes! Enfin, ils sont tous super bizarres, on dirait pas des vrais poissons, hein. Peut-être que c'est pas des poissons. Oula! Bon, je suis toujours en vie! Super! Et maintenant, on va recommencer exactement la même chose. Et j'ai l'impression que je vois la lumière là-bas aussi. Oh non! Oh les amis, je viens de découvrir un truc. Apparemment, en fait, j'ai un taser. Vous pensez que c'est pour taser les poissons? Enfin, on peut taser un poisson ou pas? Je sais pas, attendez, on va regarder. Hop là! Attendez, j'ai pas réussi. Ah, ça marche pas. Bon, bah, je sais même pas quoi ils servent. Vous pensez que... Vous pensez qu'il sert à quoi, là? Bon, bah, je vais quand même le garder dans ma main, parce qu'on sait jamais. Au moins, si elle a la méchante reine, eh bien, je vais la taser. Allez, hop là, on valide. Et maintenant, oh, on dirait des balançoires. Oh, un peu plus flippantes, hein, je vous accorde. Allez, hop là, on saute, on saute. On saute super, super. Et d'ailleurs, les amis, j'espère que vous êtes tous abonnés à mon Insta Miss Darkito, parce qu'il faut absolument suivre toutes mes aventures. Et puis, j'essaierai de faire plein de posts. Apparemment, on atterrit ici, maintenant. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais c'est vraiment un peu le bazar ici. Ok, on continue à sauter. Il faut pas que je prenne les pics et ni les bombes et ni le truc vert, j'allais dire. Apparemment, je suis tombée dans le chaudron. Ok, génial, c'est bon. On valide cette étape. Et il y a notre ami le chandelier. Faites attention à votre crâne de viande. Cette puanteur d'égout a une puissance de levage. Qu'est-ce que la reine a mangé? J'en ai aucune idée, mais c'est vrai que ça vraiment ça pue ici. Oh là là, il est vraiment bizarre ce chandelier. Ok, apparemment je suis en train de m'envoler, c'est trop bizarre. Et il faut que j'atterrisse ici. C'est quoi ces trucs? Ok, on va passer par ici. Oh, c'est un labyrinthe, je sens que c'est un labyrinthe. Mais attendez, ça veut dire combien de temps on a terminé? Oh, c'est trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment Alice au Pays des Merveilles. Parce qu'à l'intérieur de ça, la reine ressent la même chose. Et en plus, il y a un labyrinthe aussi, ça peut-être qu'il y a un lapin pas loin. Enfin, j'en sais rien. Ok, on continue à avancer. Et je pense qu'on va avoir la réponse très bientôt. Allez, hop là, on rentre par là. Et j'espère que j'ai pas me trompé de chemin. Wouh! Oh non, elle va me tuer. En plus, elle est super géante. Ça veut dire qu'elle me voit. C'est obligé, elle me voit. Et si elle me voit, ça veut dire qu'elle va vraiment réussir à me tuer. C'est pas possible. C'est quoi ce truc encore? Oh non, je veux pas mourir. Je veux absolument pas mourir. Et hop là, on saute. Et attendez, ça rentre trop vite là. C'est où la sortie?
Ah, on a validé un point de contrôle, c'est-à-dire que du coup, on a bientôt terminé, je pense. Non, j'ai pas besoin d'objets, et là, du coup, maintenant, on reprend ici. Génial, on saute, et maintenant, attendez les amis, on va courir. Oula, c'est quoi ce truc? Il faut pas que je les touche. Je pense qu'il faut pas que je les touche. Génial. On continue. Oula, là, c'est super compliqué, ça va vraiment trop vite. J'arrive pas très bien à voir ce que je suis en train de faire. Et on saute. Ah, j'arrive pas. Ah, je crois que j'arrive pas. Et je crois que c'est bon, dans le labyrinthe, il est pas trop loin maintenant. Il est bientôt terminé. Hop là, attendez, ça ralentit. Et ça fait un peu du bien parce que je voyais vraiment un peu trouble. Ok, il faut que j'attende. Mais comment je vais repasser là? Ah, c'est bon, je crois qu'il faut que j'aille maintenant. Super. Et je vais me dépêcher. Hop là, on contourne, super. Et maintenant, c'est bon. Génial, c'était le plus compliqué. Et maintenant, on atterrit dans une espèce de forêt super bizarre. En tout cas, il y a plein de champignons et il y a plein de fleurs partout. C'est pas très rassurant, je vous avoue. Peut-être que la reine, elle est pas très loin. J'espère qu'elle va pas me trouver. Oh non. Faut que j'arrive à m'échapper d'ici, c'est pas possible. Je peux pas rester enfermée toute ma vie ici. Comment je vais te retrouver, moi, Darkito et Mini Darkito? J'ai besoin d'eux, en fait. Il faut qu'ils me sauvent. Les amis, il faut vraiment qu'ils me sauvent. Bon, je vais essayer de pas me prendre les espèces de haches, là. Super. Et d'ailleurs, les amis, envoyez tout ça à Darkito dans les commentaires et à Mini Darkito de venir me sauver parce que là, je suis complètement coincée ici. Et j'ai l'impression que peut-être que j'arriverai jamais à m'échapper. Ça fait quand même un petit moment qu'on essaie de s'échapper et la reine, elle trouve toujours une solution pour m'enfermer ici et que j'arrive pas à sortir. S'il vous plaît, envoyez tous des messages à Darkito. Comme quoi, il faut qu'il me sauve. C'est super important. Allez, encore, je vais avancer. Et là, maintenant, c'est quoi le truc qui tourne? Bon, apparemment, il faut que j'avance un petit peu lentement, histoire de... Oula. Ok, on va recommencer, les amis. Et je pense que cette fois-ci, bah, on a réussi du premier coup. Génial, on est vraiment, vraiment trop fort. C'est sûr que c'est grâce à vous. Allez, on va du coup ici. Et apparemment, chou, là. Attendez, chou. Je préférais presque le labyrinthe. C'est un peu trop flippant, un peu trop rouge. Ok, apparemment, la sortie, c'est par là-bas. Il y a des flèches. On va y aller tout de suite et voir ce qui nous attend. Je sais pas, mais je le sens pas trop. Ok. Il fait un peu sombre ici. Il y a quelqu'un? Et il y a quelqu'un? Bon, on appuie sur le bouton. Ça ouvre un espèce de portail. Et il faut appuyer sur l'autre aussi parce qu'il y en a deux de portail. Et du coup, on va aller tout là-bas en espérant que la reine ne m'y attende pas. Je sais pas trop si j'ai envie d'avancer. Oula. En avant, c'est la reine! Un peu bizarrement celui-là quand même. Allez, en tout cas, on voit le grand château qui est devant nous. Et je pense que ça veut dire que là, vraiment, on a bientôt terminé ce parcours. Et franchement, faut se dire, hein, ce hobby était super compliqué. Et j'espère que la suite va être un peu plus simple. Super! Bon, apparemment, ça fait déjà plus d'une demi-heure que je suis en train de faire ce hobby. Et oui, une demi-heure. Heureusement, on vous a coupé quelques passages, ça aurait été vraiment super long. Alors, on va aller le point de contrôle. Et maintenant, il faut que... Ouh là là! Ouh, je marche vers où là? Je sens qu'il faut pas que j'aille ici. Oh non, ça tremble. Et c'est quoi cette tête derrière moi? C'est trop bizarre. Est-ce que c'était un bug, vous pensez? En tout cas, ça tremble beaucoup ici. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que je sois là. Oula. Et pourquoi il y a une tête là? Oh non, la reine. Oh non, je vois sa grosse tête et tout. Elle me fait vraiment super peur. Oh là 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 là. Bon, ben, on va appuyer sur ça. Allez, prends ça. Vous pensez que ça a marché? Je suis pas sûre. Allez. La reine, je vais recommencer. Allez, prends ça. Ah oui, c'est bon. Allez, 900 points. Donc, il en manque plus que... Bah, 900, en fait. Ok. Oula, 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 elle est vraiment trop forte. Elle est en train de me tuer, là. Heureusement que ça va, j'ai plutôt bien. Mais maintenant, on va lui relancer dessus. Allez, prends ça. Et 800. Oui. Il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'y retourne. Allez. Et... Oh non, 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 elle est vraiment trop forte. Ok, elle est passée où? Elle est passée où? Elle est passée où? Allez là, c'est bon. Allez, hop là, je vais te renvoyer ça dessus et c'est bon. Oui, 700, en 600 déjà. Bon, finalement, ça va un peu plus vite que prévu. Voilà, non mais elle me suit partout, c'est pas possible. En plus, elle me fait vraiment super peur. Vous avez vu comme elle est vraiment super grande. Allez, on renvoie ça et oui. Ok, elle apparaît ici. C'est reparti. Ouh là là. Allez, c'est bon, j'ai réussi 400. Maintenant, il me manque plus que du coup 4 fois. Comment je vais y arriver? Allez, je pense qu'on va réessayer ici. Hop là. Et encore une fois. Oui. Oh non. Ah si, c'est bon. Bon, il manque 2 fois, les amis, on va y arriver. Je sens qu'on va y arriver. Faut juste pas qu'elle me tue avant. Sinon, je pense que là, je vais être enfermée toute ma vie ici. Et j'ai vraiment pas envie de ça. Allez, hop là, on envoie. Oh, plus qu'une fois, plus qu'une fois. On va y arriver, les amis, c'est bon. On va y arriver, c'est grâce à vous. Et du coup, il faut que j'appuie juste une fois, juste une fois. Oh, non, me tue pas, me tue pas, me tue pas. Hop là. Ah, c'est bon. On a réussi. Je suis trop contente, les amis. On est vraiment des boss. Et on est trop fort. Wouh, est-ce que je vais atterrir encore? Eh oh, sur un bateau? Vraiment?
Et on va danser, je suis trop contente de pouvoir rejoindre Darkito. Ouais. Allez, les amis, c'est bon, j'ai réussi. Je vais rejoindre Mini Darkito et Darkito. Oh, regardez, en plus, je suis en train de danser là-haut et je crois que je suis devenue vraiment super riche. J'ai le trésor de la méchante reine. Et c'est bon, je vais pouvoir tout acheter sur Roblox, les amis. Oh ouais, grave, ça va être trop bien, j'ai plus riche que Darkito. Et en plus, il y a le chandelier qui est en train de boire un cocktail. Je pense que je vais l'emporter avec moi, il a l'air d'être trop mignon. Et la méchante reine, elle est plus du tout grande, maintenant elle est toute petite. Du coup, eh bien les amis, on a réussi, je suis trop contente. Oh mais je suis où là? J'atterris où? Attendez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai mal partout. Bah, c'est quoi cette chambre? Oh non. Mais c'est quoi ce truc? Et c'est quoi cette lumière tout là-bas? Bon, je crois qu'il faut absolument que je sorte d'ici. On va commencer par sauter. Oh, bah, il est beau ce clavier. Bon, j'ai envie de m'acheter le même. Allez, hop, là, on saute. Et je pense qu'il faut passer par ici. Du coup, bah, direction... Attendez, en plus, il y a des flèches et il y a des bonbons. En plus, ils sont trop bons, ces bonbons. Allez. Du coup, on va rentrer par là. Et... Bah, c'est quoi ce truc? Bon, on continue, les amis. Et il faut absolument que je m'échappe d'ici parce que je sais pas où est-ce que j'atterris, là, en fait. Ok, alors... Là, c'est une maison de poupée. Oh, on est à l'intérieur d'une maison de poupée, c'est dingue. Bon, un bonbon encore, même si je sais toujours pas à quoi ils servent. D'ailleurs, j'en ai 3 sur 10, c'est écrit. Vous pensez qu'au bout de 10, j'ai quoi? Bon, allez, on saute. Ah, bah, je suis pas toute seule. Allez, trop bien, on va sauter tous ensemble. Et je pense qu'il faut pas que je touche le truc vert. En tout cas, là, il y a un truc bizarre ici, je sais pas. J'atterris où, là? Oh non, je suis où? Bon, bah, au moins, je suis toujours pas toute seule, les amis. Et là, cette fois-ci, on traverse par là. Et... Ok, il y a plein de gâteaux partout. Mais ça sent super bon. Pourquoi en fait, il y a du chocolat par terre? Oh non! Bah, j'ai perdu. Je crois qu'il devait être vraiment bouillant. En tout cas, on va recommencer. Et j'espère que cette fois-ci, je vais y arriver. Ok, on saute, on saute, on ressaute. Et puis, pour l'instant... Oh non, j'ai failli tomber. Allez, ça va, on traverse. Et... Mais en fait, c'est la maison de qui, tout ça? Je sais pas, enfin, je suis dans une maison de poupée, il y a plein de peluches partout, il faut que je saute partout en plus et que je m'échappe, mais on est où? Ok, et maintenant, les amis, quoi, il y a de la lave ici? Dans une maison de poupée, comment c'est possible? Allez, on saute de Lego en Lego, enfin, je crois que c'en est. Hop là. Ah oui, et d'ailleurs, les amis, vous savez, bientôt avec Darkito, on va faire une super grande annonce. Et je pense d'ailleurs qu'on va faire peut-être soit une vidéo, soit un live. Mais j'ai plein de trucs à vous raconter, enfin pour ceux qui me suivent déjà sur Insta, bah, c'est la vie de Clara. Et bah vous êtes déjà au courant de plein de choses, du coup bah, les amis, abonnez-vous à mon Insta. En tout cas là il faut que je saute et je pense que j'ai trop le vertige. Ouh, bon c'était que des donuts, finalement ça va. Allez, on saute et... Attendez, je vais la suivre, au moins ça va être plus simple. Ok, donc là ça tourne, ça devrait le faire et... Oh non, il y en a encore plein là-bas, il faut encore recommencer. Ça va vraiment être super long, moi je pensais que j'allais ouvrir la porte et m'échapper simplement, je sais pas. Apparemment j'ai tout un parcours énorme à faire. Oh, vous avez vu en plus la petite barre au-dessus là? Ça veut dire que je suis où en fait? Bah je suis où? Je crois que je suis en dessous de la fille en jaune, enfin qui a les cheveux blonds. Enfin j'espère. Allez, hop là. Oula, j'ai failli rester les amis. Ok, je vais avancer et c'est marqué quoi en haut? C'est marqué... Bienvenue au Darling's Dolls House. Mais c'est le monde des poupées du coup, ça veut dire... Oh non, elle fait trop peur, elle, c'est qui? Je sais pas, elle me fait flipper. Vous pensez que c'est qui? C'est la fille, la fameuse poupée? Ah! Oh, il y a de la brume partout, ça veut dire qu'il y a des fantômes peut-être? Non, quand même pas. Oh, un bonbon encore, trop bien, ça veut dire que j'en ai 6. Oh, ça commence à être beaucoup, j'espère qu'à 10, j'aurai un truc de fou. Oula, il se passe quoi? Oh non, c'est la poupée, comment elle atterrit aussi rapidement ici? Et elle a plein de bonbons en plus sur elle. Oh non non, faut pas qu'elle m'attrape, faut pas qu'elle m'attrape. J'ai pas envie de retourner dans la chambre, même si elle est trop belle la chambre. C'est vrai qu'elle est vraiment trop belle la chambre, mais je veux pas y retourner. Ok, faut que je fasse quoi là? Je vais récupérer un truc peut-être. Bon, en tout cas, elle arrive pas à passer, ça c'est vraiment génial. Bah, je sais pas. Je vais travailler de regarder la télé, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Ok. Oh, il y a une flèche. Vite, on passe par ici. Et là, bah, y a absolument rien. S'il y a rien, c'est-à-dire que c'est pas là. Je pense qu'en fait, il y a des pièges. Ils disent qu'en quoi il faut passer par là, mais en fait, il faut pas du tout passer par là. En tout cas, ils continuent de me poursuivre. Du coup, bah, je me cache un peu. Oh non, 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 non. Oh, trop bien, elle arrive pas à me trouver. Ok, ça veut dire qu'elle me voit pas. Bon, moi, je la vois pas. Donc, si je la vois pas, c'est qu'elle me voit pas. Et là, on va passer par... Oh non, on va passer par ici, mais il faut vite que je cours et je sais pas où elle est. Les amis, vous pensez que c'est quelle porte? Peut-être que c'est celle-ci. Oh, c'est bon. J'ai appuyé sur un bouton, donc je pense que ça va, on est dans la bonne direction. Elle va où?
Bah attendez. On passe par là encore, il faut... Ah, il faut encore appuyer sur un bouton. Hop là. C'est-à-dire que là, c'est bon, j'appuie... Oh non, 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 elle est là. En plus, elle fait trop peur avec ses cheveux, là. Vous pensez qu'elle... Putain, pas me tuer, c'est pas possible. Allez, trois boutons verts, ça veut dire qu'on peut passer par ici. Ah, oh, trop bien. Ok. Ah, oh, il y a déjà en plus... Je dois sauter, là, vraiment, encore. Oh, un bonbon, ça fait 7 et... Oh. Bah, attendez, je suis où? Oh non, c'est un nouveau point. C'est une grande roue, là, mais... Oh non, ça fait que tourner, ça fait que tourner, les amis. C'est-à-dire qu'il faut que je saute, là, de roue en roue. Mais comment je vais faire? Bon, on va essayer. C'est bon, parfait. On va réessayer. En tout cas, je vois vraiment rien. Je sais pas où sauter. Ok. Je pense que si je vais dans l'eau, en fait, je meurs. Enfin, je suis pas sûre. Allez, hop, là, on saute. Et c'est quoi ces trucs-là qui vont de chaque côté? Oh non, regardez, ça tourne, ça tourne. C'est-à-dire qu'il faut pas que je me les prenne. En plus de ça, que je tombe pas dans l'eau. Mais c'est vraiment trop compliqué, les amis. On m'avait pas prévenu que c'était comme ça. En tout cas, c'est vraiment trop compliqué. Et les amis, si vous voulez que je fasse un autre hobby ou quoi, bah vous me le dites en commentaire. En tout cas, ça faisait vraiment super longtemps que vous demandez de faire ce hobby là. Du coup, bah je suis trop contente de le faire. Par contre, il est vraiment hyper compliqué, ça fait que tourner. Allez, hop là, on saute. Et je pense que là, cette fois-ci, on a terminé. Génial. Oh non, je crois qu'il faut recommencer par ici. Oh les amis, regardez, on voit tout en haut là sur le schéma comme quoi c'est bon, je suis en train d'avancer. Ça veut dire que j'ai déjà fait 2/3 du parcours, mais ça va vraiment super vite. J'espère que j'arriverai à attraper les 2 derniers bonbons avant la fin pour voir vraiment ce que ça fait d'avoir les 10. En tout cas, c'est toujours assez complexe. Je dois me prendre les... Faut pas que je me prenne les trucs là qui tanguent. Allez, c'est bon, c'est bon. Et... Oui, c'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je trouve que le décor, il est trop beau, il est trop bien fait. Et c'est quoi ce truc bleu, là, toute cette mousse? Oh, trop bien. On a 9 bonbons, il en reste plus que 1. Wow. Oh non, j'en ai marre de sauter comme ça, ça me donne trop le vertige. Allez, on attend. Oui. Bon, on va attendre à chaque fois. Je pense que ça va être plus sécuritaire. Hop là. Et super. Ok, oh non, les meubles ils bougent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce pour que là ils soient à l'envers? On va attendre et on saute. Là, je vais passer par ici. Super, là ça bouge pas, on passe par le Lego. Oh non, c'est un tabouret peut-être. Allez, on passe par là, on saute. Oh non, j'aurais peut-être pas dû sauter, oui. Oh, j'ai eu de la chance. On continue d'avancer et... Oh, il est trop beau le piano, j'adore. Moi, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours voulu savoir faire du piano, mais en fait, je sais pas en faire. Allez, hop là. Et là, du coup, maintenant... Mais c'est un labyrinthe ou quoi? Attendez, c'est dans quel sens? Je crois que je suis au bon endroit. Du coup, on saute ici. Oh, super. Et il y a une sortie par là-bas. Je sais pas, mais je la sens pas trop, cette sortie. Regardez, on atterrit à la fin. Ça veut dire que... Oh non, j'espère qu'elle va pas être là, pas attendre. Ouh là là. Oh, on dirait qu'il va y avoir un duel. C'est bizarre. Je suis pas hyper rassurée. Regardez, comme elle fait super peur. Oh non, mais en vrai, peut-être qu'elle était... Peut-être qu'elle était sympa avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, je crois qu'il faut que je la tue. Du coup, ben, prends ça, allez, tiens. Bon, apparemment, ça avance. Il lui reste plus que 700 points. Ça veut dire que j'ai peut-être y arriver. Ok, allez, prends ça, vite. Au moins, je pourrais m'échapper et jamais plus revenir. En tout cas, je sais pas si vous voyez, mais il y a des trucs qui atterrissent sur moi. Je pense que si je me les prends, ben, je vais mourir. En tout cas, ça fait 5, 3 demain. Ben, j'aurais pas... J'ai pas du tout réussi les amis, mais en tout cas elle est KO, c'est bon, je vais pouvoir me libérer. Par contre, qu'est-ce que je fais dans ses cheveux? Et quelqu'un va pas m'aider ici? Je crois que je suis coincée les amis, regardez. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non. Bah. Oh, j'ai eu de la chance, je crois que c'est bon, elle est KO. Ah bah ce lustre il tenait vraiment pas droit. Oui, trop bien les amis, on a réussi et c'est bon, on va pouvoir s'échapper. Ouais. Allez. Bon, on va laisser là, elle, c'est pas grave. Elle était pas très gentille avec moi. Et direction la sortie. Par contre, elle est où la sortie? Je pense qu'elle est par là. Ok, on va au checkpoint. Et on saute. Et ce serait vraiment ballot de mourir maintenant. Ok, et maintenant, ça veut dire qu'on a... Oh, ça veut dire qu'on a terminé. C'est bon, les amis, j'ai réussi. Je suis trop contente. Et attendez, on a que 9 bonbons. Ça veut dire qu'on saura jamais ce que ça fait à 10 bonbons. Bah écoutez, ceux qui ont terminé ce hobby et qui savent ce que ça fait, dites-le en commentaire. Moi, je veux participer. S'il vous plaît, madame. Hein? Bah non, t'as pas le droit de parler, allez, faut que tu te taises maintenant, c'est n'importe quoi. Hé, attends. Franchement, elle est super méchante, la professeure. Moi, j'ai une petite idée, peut-être que tu dois t'échapper d'ici, elle est vraiment méchante, regarde, Nelson, il est mort en plus. Ouais, Nelson, il est mort? Mais c'était mon ami? Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu vas voir, si tu restes ici, il faudra que tu t'en ailles vite, vite, écoute-moi. Regarde, par là-bas, il y a une sortie. Et en plus, tu vas voir ce qui se passe. Oui, t'as raison, viens avec moi et on va y aller tout de suite. Oh, j'ai failli tomber en plus. Oh, allez, on ferme la porte et je crois que c'est bon, elle peut plus sortir celle-là. Ok, attends, mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et lui? Oh non, pas encore lui, tu te rappelles de lui? J'arrive. Quoi? Non, mais je croyais que je l'avais tué. Qu'est-ce que c'est écrit? Je comprends rien à l'anglais. C'est marqué quoi? Pourquoi il y a une photo de caca et de paix? Non, mais c'est trop bizarre. Bon, ben, je crois qu'il faut... Je comprends pas, c'est quoi ce truc? Bon, je crois qu'on n'a pas le choix, faut avancer. Par contre, si vous savez ce que ça veut dire, hein, l'anglais, dites-moi en commentaire. En tout cas, on saute, et ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que... On va vraiment galérer à sortir d'ici. Mais, pourquoi on veut me faire direct payer? C'est quoi ce truc-là? Allez, hop là, on saute. Attendez, il y a encore des objets là. Ça veut dire qu'ici... Attendez, je récupère quoi? C'est quoi ce truc? Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'espère que ça me servira à quelque chose pour m'échapper. Oh non, je suis complètement épuisée. Qu'est-ce qu'il a, lui? Je vais te tuer. Échappe-toi vite, sinon je vais te tuer. Oh non, s'il te plaît, me tue pas. Laisse-moi m'échapper d'ici. Bon, je vais essayer de m'échapper par mes propres moyens. Ça va être un peu plus compliqué que prévu. Et toi, le sac à dos, tu penses qu'on fait quoi ensemble? Non, on va s'échapper. Vite. Ah oui, t'as raison, vite. Oh, c'est qui lui? Oh non, il me fait flipper. Oh, je crois que c'est... Oh, ben non, il a le sac à dos aussi. C'est quelqu'un qui s'échappe d'ici. C'est pas possible, il y a tout le monde qui s'échappe ou quoi? Bon, en tout cas, il faut que je passe ces trucs avec ces ventouses. Là, c'est hyper flippant. On récupère un nouvel objet, même si je sais toujours pas à quoi il sert. D'ailleurs, si vous savez à quoi ça sert, ben dites-le moi tout de suite en commentaire. Oh, faut qu'ils arrêtent de me dire de payer, c'est pas possible. Il y a des caca partout, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Des caca, vraiment? Ben, c'est bizarre, pourtant, il y a pas de chien. Hop là, on saute, on récupère. 19, j'en ai 19, mais du coup, ça veut dire que je peux payer des trucs? Attendez les amis, je peux vraiment payer des trucs, on va voir s'il y a un petit... Quoi, c'est marqué quoi, 15? Et je comprends pas ce qui est écrit. Bon, en tout cas, on saute de bureau en bureau et j'espère que je vais réussir à m'échapper d'ici. En tout cas, ça démarre vraiment mal, pour l'instant c'est super compliqué. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi il y a des rubans jaunes? Il y a quelqu'un qui est mort ou quoi? Je me suis pris un caca, vraiment? Oh non, je crois que je suis coincée. Ah super, on a réussi à s'en aller du caca. Et puis maintenant, c'est quoi ça? C'est un rouleau de papier toilette. Mais ils sont vraiment énormes ici ces rouleaux. Trop bizarre. Attendez, mais j'avance là ou pas? Parce que j'ai l'impression que je fais du surplace. Chou sur le petit truc en haut là, d'ailleurs sur le papier toilette. Bon, j'en sais rien. Allez, direction la sortie. Et on va se mettre en sécurité ici. Hop là, on en récupère un. Déjà 21. Bah ça avance vraiment super vite hein. Allez, on va par ici. Oh non, c'est quoi ce truc? C'est des ventilateurs. J'ai peur de les prendre là. Oh non. Oh non, non, je suis tombée. Oh, ça fait vraiment super mal. Ils auraient pu les enlever ces ventilateurs. Mais où est-ce que j'ai atterri encore? Mais ça se termine jamais ou quoi? Bon, on va essayer d'ouvrir cette porte. On va voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais c'est quoi ce truc? Y a tellement de monde. Qu'est-ce qu'ils font eux? Je crois qu'il faut que j'avance. Bon, on va essayer de sauter. Oh non, j'ai toujours été super nulle au sport. Comment je vais faire? Bon, il faut sauter. Hop là, on court. Je suis déjà hyper essoufflée, les amis. Oh, quoi, c'est des gens... Attendez, ils sont morts, les gens? Ou on leur a demandé de se mettre par terre, comme ça? Bon, en tout cas, c'est vraiment bizarre comme activité. Je suis désolée si je vous fais mal. Allez, hop là. Et maintenant... Oh non, mais ils sont tout cassés, ces parcours. C'est pas possible. 22, c'est-à-dire j'en ai 22, mais... J'espère que je pourrais m'acheter un truc bientôt avec. Et le toboggan, s'il te plaît, marche un peu. Bon, peut-être qu'il faut prendre celui-ci. Allez, hop là, on marche. Et maintenant, on atterrit où? Oh non, c'est quoi ce sport déjà? Comment ça s'appelle? Je crois qu'en fait, c'est du football américain. Mais je sais pas ce qu'ils font, ils courent trop bizarrement. Bon, excusez-moi, je vais passer. Ok, on va faire le tour. Oh non, il est gigantesque celui-là, il faudrait pas que je me le prenne. On contourne et j'espère qu'il va pas se retourner en fait. Bon, attendez les amis, il y a un papier toilette derrière moi. Il faut que tout de suite que je récupère parce que peut-être qu'il va me servir pour plus tard. Mais attendez, si un papier toilette, c'est pour faire quoi, vous pensez? Vu qu'il y a des caca par terre, peut-être c'est pour les ramasser, j'en sais rien. Une voiture? Bon, ben, je crois que je peux passer par là. On va passer de l'autre côté et on va essayer d'éviter... Oh, mais ça pue ici, ça pue. En plus, il y a des mouches et tout, c'est horrible. Oh, mais qui a fait ça là? Allez, hop là, un nouveau papier toilette. Et maintenant... C'est quoi? Ben non, je peux pas acheter. Allez, on saute, on passe par les poubelles. D'ailleurs, ça pue toujours autant ici.
Et je crois que c'est bon, on réussit un peu à s'échapper. Regardez les amis, sur le petit truc en haut, on dirait que j'avance. Donc si j'avance, c'est-à-dire que bientôt on va réussir à s'échapper. Oh, trop bien. Bon, c'est marqué salle de gym, mais là, je sais pas, il y a des toilettes, est-ce qu'il faudrait que j'aille voir? Oh ouais, c'est bon, oh, on a réussi, je crois que j'ai terminé. En fait, c'est déjà fini, c'était trop facile. Enfin, je suis pas sûre. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ça a écrasé les toilettes? Comment je sors maintenant? Ah ok, en fait, ça a ouvert la salle de gym. Ça veut dire qu'il faut que je passe par là-bas, les amis. Bon, ben, on va y aller ensemble et on va voir ce qui se cache là-bas. Oh, mais il y a des balles de bowling, c'est pas possible, il y a vraiment... J'ai pas de chance ici, en plus il y a des cacas partout, mais c'est le parcours des cacas ou quoi? Ok, donc on va sauter par là. Oh non, ça pue, c'est quoi? Mais comment ça peut puer autant? Et lui, il est en train de pleurer en plus de ça. Il se passe des trucs trop bizarres ici. Vous pensez que... Elle a pas réussi à s'échapper? D'ailleurs, la femme là, la maîtresse qui était derrière moi, parce que je l'ai bien enfermée, mais j'espère qu'elle a pas réussi à s'échapper. Allez, on saute. Et maintenant, je crois que c'est bon, on a contourné toute la salle de gym. Oh là, il y a... trampoline. Bon, on va sauter, je pense que je vais m'envoler techniquement, super, et j'atterris ici. Oh non, il y a vraiment plein de caca encore, on va essayer de les contourner. Super, et on se renvole, et les amis, on récupère un nouveau papier toilette, et je sais toujours pas ce qu'on fait avec. En tout cas, là, on va essayer d'éviter de se prendre trop de vent pour éviter de finir par terre. Ok, ça devrait le faire, ça devrait le faire. En tout cas, j'ai l'impression quoi, on a dépassé vraiment la moitié du parcours. Du coup, ça veut dire que bah, la sortie, elle est plus trop loin, quoi. J'espère que ça va être assez simple de s'échapper. Ok, on saute. Oh non, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Viens par là. Oh non, m'attrape pas, m'attrape pas. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce... Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, il fait trembler le sol carrément. Il est vraiment super grand. Je crois que je vais galérer à sortir d'ici. C'est pas possible. Les amis, aidez-moi un peu, s'il vous plaît. Et toi, le cartable, t'en penses quoi? C'est l'horreur, c'est l'horreur. Ah, mais je crois qu'il y a une sortie par là. On va passer peut-être par le conduit. Tu penses que c'est une bonne idée? Oh, mais on va le faire tout de suite. Voilà, tu dois y aller. Tu dois y aller vite. Ah oui, t'as raison, allez, c'est parti, on va passer par le conduit et je pense qu'on va réussir à s'échapper, enfin j'espère. En tout cas, merci de m'aider et tu t'appelles comment déjà? M'appelle Bob. Bon bah merci Bob et du coup on va sortir ensemble de ce conduit en espérant que je vais pas me perdre, on dirait un labyrinthe par ici. Oh là là, non mais c'est vraiment interminable, allez, un nouveau papier toilette et maintenant, attends, je atterris où? J'atterris dans la poubelle. Ça pue ici, vite on sort de là. C'est pas possible, c'est vraiment une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On atterrit dans une déchetterie ou quoi? Ok, on saute par ici. On se prend pas le caca. Et on continue de sauter. Et nouveau papier toilette. Oh non, mais on est en fait dans la cantine. On est dans un... Mais c'est trop bizarre, en fait, on est où est-ce qu'il y a la plonge? Mais... Oh non, non, mais c'est quoi tout ça? C'est de la crasse. C'est horrible, regarde, Bob. Je crois qu'on n'arrivera jamais à s'échapper d'ici. Regarde ce qu'il y a là-bas, c'est des toilettes. Je crois qu'il faut aller direction les toilettes. T'en penses quoi? Je vais par là-bas ou pas? Parce que ça pue vraiment dans cette pièce. Ouais, tu dois y aller. Franchement, ça me fait peur. De plus en plus. Oui, moi aussi, ça me fait vraiment flipper. Oh non, on a perdu. En plus, il faut recommencer. C'est vraiment la poisse. Bon, les amis, dites-moi si vous avez réussi ce hobby. Parce que moi, là, je sais pas si j'y arriverai. Il est vraiment trop compliqué. Et puis, en plus de ça, ça pue vraiment, quoi. Allez, hop, on passe par là. Et depuis quand il y a des pieuvres? C'est des pieuvres là-haut, là? Des pieuvres dans une plonge? Mais c'est trop bizarre. Et par où je passe, là? Attendez, la sortie, elle est où? Ah, je crois qu'elle est là, il s'est marqué qu'il faut sauter, du coup, on va sauter. Ouais. Allez, super. Et maintenant... Oh, c'est bon, je crois qu'on se rapproche des toilettes. Oh non, j'ai perdu ou quoi? Bah, je crois pas que j'ai perdu, en fait. Allez, on saute par là. Et maintenant, les toilettes... Bah, elles sont où, les toilettes? Ok, on récupère les toilettes. Et maintenant, il est... Attendez, je suis complètement perdue, les amis. Mais j'avance où, là? Ok, apparemment, plus il y a des couteaux de partout, c'est hyper dangereux ici, c'est pas possible. Allez. Oh, c'est bon, je vois les toilettes. Ça veut dire qu'il faut aller vers là-bas, et au moins, ça veut dire qu'ensuite, on s'échappera une bonne fois pour toutes, et plus jamais je reverrai, d'ailleurs... Oh non! Plus jamais je reverrai l'harceleur, mais... Attendez, dites-moi, on l'avait pas tué la dernière fois, celui-là? Parce que moi, je me rappelle qu'on l'avait tué. En tout cas, moi, là, je fais que mourir. Il s'est vraiment trop compliqué. Bon, Bob, il faut un peu se concentrer, là. Je pense que tu fais que bouger, en fait, c'est pour ça. Hop là, on saute. C'est bon, on a réussi. Oh non, il y a la pieuvre. Je crois que je vais pas y arriver. C'est pas possible. Oh non, c'était pas croyable. Ah bon, faut peut-être réfléchir à une stratégie par rapport à tout ça, tu sais. Une pieuvre. Attaque ses tentacules. Oui, t'as raison, faudrait que j'attaque ses tentacules, mais... Attends, mais...
Bah attends, elle nous a fermé la sortie. Mais ça veut dire qu'on est coincé, Bob. Je crois qu'on n'y arrivera vraiment jamais, c'est pas possible. Ils font tout pour nous empêcher. Ah, une sortie, là-bas. Oh, heureusement que t'es là, Bob. Allez, super, on a pris la sortie. Et maintenant, en regardant le rouleau de papier toilette, ça veut dire qu'en fait, on s'approche de la fin, il reste plus grand-chose. Peut-être qu'on va enfin y arriver. Oh non, mais je suis vraiment dégoûtée. Je crois qu'en fait, c'est pas une sortie, c'est le proviseur. Oh non. Coucou, c'est moi. Bah, comme ça, hasard, t'es arrivé. Ah, en plus, t'as pris ton petit sac à dos. Bon, t'as quitté l'école, t'as quitté le cours. T'as vu le parcours? Il est franchement super sympa, non? Sympa, t'es sûr? Moi, j'ai trouvé vraiment super compliqué. Bon, je sais pas ce que tu me racontes, je comprends rien, mais t'es pas supposé être le proviseur. Ne me renvoie pas en classe, s'il te plaît. Bah, tu sais, écoute, moi, y a pas de problème, mais faut en parler avec. Avec tes parents. Quoi? Mes parents? Bah, non, en fait. Mais comment on va faire? Attends, t'es en train de montrer la sortie là? Ok, donc il y a apparemment encore plein d'épreuves, mais c'est pas possible, tu devrais plutôt m'aider à sortir par la fenêtre. Oh non, mais il est vraiment pas croyable, ce directeur, il est insupportable. Oh non, c'est reparti pour un tour, j'ai super peur, il faut que je m'étire, allez, on tourne de chaque côté. Oh, ça va pas le faire, si ça va le faire, non, ça va pas le faire, c'est vraiment trop long. C'est beaucoup, beaucoup trop long, Bob, mais tu m'avais pas prévenu que c'était comme ça, et en plus, attends, au fond, il y a qui? Y'a c'est quoi? Oh, attends, ça veut dire qu'on va atterrir dans un endroit où il y a une sortie? Bon bah il faut y aller, Bob, on a vraiment pas le temps. Allez, on saute, oh non! Oh là là, non mais c'est trop compliqué, on va ressauter. Et je crois qu'il faut pas se prendre en fait le vent. Attends, je ressaute et super, c'est bon. Franchement, on fait une super bonne équipe, Bob, t'en penses quoi? Allez, on prend cette direction-là. On va essayer de pas se prendre le caca. En tout cas, je sais pas, mais il y en a vraiment partout ici. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? C'est les élèves qui font caca comme ça ou quoi? C'est pas possible. Allez. Bon, là, on esquive. Ces trucs, je sais pas tout ce que c'est en plus. C'est quoi? Bon, je sais pas ce que c'est. En tout cas, on doit les esquiver. Et en plus, il y a une fuite d'eau, mais il est vraiment super mal entretenu, ce bâtiment. C'est pas possible. Hop là, on saute, on continue. Et d'ailleurs, les amis, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous savez que Darkito, on a un truc super important à vous dire bientôt. On a une super grande nouvelle. Mais attendez. Oh mince, j'ai perdu. Bon, on va recommencer. Je vous disais qu'on a une super grande nouvelle à vous annoncer bientôt. Mais il va falloir être patient. Et moi aussi, je vais devoir faire preuve de patience pour pouvoir éviter de recommencer à chaque fois ce truc. Allez, on saute, et c'est bon. Bon, on va ressauter encore une fois. Et je crois que cette fois-ci, c'était la bonne, les amis. Oui, et oui, c'est bon. Ah, génial, c'est bon, on peut courir. Oh non! Oh non, 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 qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bon, bah, je crois qu'il faut que je la tue. Allez, c'est parti. Apparemment, il y a 750 points. Ok, on est déjà à 625, ça va avancer super vite. Prends ça. Attendez, ça fait des trucs bizarres. En tout cas, on lui donne plein de trucs devant tous. C'est trop, trop bizarre. Allez, prends ça et prends ça. Allez, dépêche-toi. 87, super. Encore plus beaucoup, les amis. Oh, apparemment, c'est pas sauvé par un caca. Je sais pas si c'était possible. Ok, direction, dirait quoi? Restroom. Ça veut dire quoi, les amis? C'est des toilettes? Oh, ça veut dire qu'on a réussi à s'échapper? Oh non, je suis enfermée. Pourquoi ça tremble? Pourquoi ça tremble? Je crois que c'est... C'est pas la fin? Mais c'est quoi? Bah, c'est moi, en fait. C'était moi. Quoi? Toi? C'est toi qui m'as enfermée ici ou quoi? Attends, il y a des toilettes qui brillent, mais... Quoi? Bah, c'était pas la sortie. Mais Bob, c'était pas la sortie, ça, ou quoi? Oh, attends, c'est bon. Bad ending, t'as une mauvaise fin. Je crois que je préférais peut-être retourner là-bas en classe. Ça va pas être très sympa, eux, non? Enfin, ils sont sympas ou pas? Hein, tiens, des chips pour les noobs, vu que t'es une noob, t'es nul. Oh non, c'est des harceleurs, ils sont vraiment pas sympas. C'est quoi cette petite animal? Attends, il a un petit chat à côté de lui, c'est trop mignon. Je sais pas s'il est sympa ou s'il essaie de faire un peu trop le bad boy. Je pense qu'en fait, il veut me manipuler, il met un peu mal à l'aise, lui. Oh non, je suis gênée, c'est bon, je rougis. Et lui, là, oh non, il fait des grands gestes et tout. Je sens que c'est un beau parleur. Ou peut-être que... Non, il est un peu bizarre, non. Non, je sens qu'il est un peu chelou. Je pense qu'il fait des trucs bizarres. Il m'a donné mal à la tête. Je me suis évanouie. Bob, s'il te plaît, réveille-moi. Oh, c'est bon, je me suis réveillée et on atterrit en classe. On a fini le parcours. Les amis, on est vraiment trop forts. Bon, bah, du coup, dites-moi la prochaine fois ce que je fais comme hobby. Non, t'as réussi les quatre. Oh oui, c'est bon, j'ai réussi, je suis trop contente. Ça veut dire que je vais pouvoir enfin savoir toute la vérité sur toi, Midarkito. Si tu savais tout le nombre d'abonnés qui demandent des trucs. Bon, moi j'aimerais quelques petites informations. Ah, tu veux savoir quoi? Ben, j'aimerais savoir déjà ton prénom, ton âge et qui t'es par rapport à Darkito dans la vraie vie, hein.
Mon prénom il commence par un A, mon âge il commence par un 1, et je te dirai pas la suite. Oh non, bon d'accord, c'est déjà vraiment super bien. Bon, bah, peut-être qu'on en saura plus la prochaine fois les amis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. Peut-être qu'on va apprendre la vérité sur une Arquito dans la prochaine vidéo.